Nous allons essayer de voir un petit sujet qui a été soulevé Shabbat par quelqu'un, donc je profite de l'occasion pour partager avec vous. Et la question est la suivante. L'Ilui Nishmat, Yitzhak ben Shimon, Shimon ben Liza. La question était la suivante, quelqu'un il a fait exceptionnellement, il a offert un kiddush, donc il a fait lui-même le kiddush, il a mangé donc de ce qui était proposé, il devait faire à la michia. Bien entendu, mais il ne devait pas simplement faire à la michia, il devait faire aussi à la geffen. Comme il n'a pas trop l'habitude de faire le kiddush, alors il a fait à la michia, mais il a oublié de faire à la geffen. Chez là, est-ce qu'il doit refaire encore une fois le Ben Shalosh? Eh bien, étant donné qu'il a fait à la michia, bediavad, le à la michia va être poter le Ben Shalosh de la geffen. A priori, quel rapport? C'est comme si je demandais quelqu'un, il a pris une grenade et il a mangé des gâteaux. Il a fait la michia sur les gâteaux, il a oublié de faire sur la grenade à la hetz. D'accord, on va dire que comme il a fait la michia, où est la question bichlal? Mais c'est une question très intelligente. La question est intelligente pour la raison suivante. Dans une grenade, il n'y a pas de tzad qui ne doit pas refaire. Il y a un din d'être modèle Hachem sur la grenade et un din d'être modèle Hachem sur les gâteaux. Sur les gâteaux, il doit faire à la michia, et sur les grenades, il doit dire à la hetz, comme il n'a fait que sur les gâteaux. Ici, il aurait dû faire à la geffen, il aurait dû faire sur les gâteaux, il n'a fait que sur les gâteaux, c'est pourquoi il serait yotzei l'ichova. Là, on va l'écarter un petit peu, juste pour mieux définir la chose. Ma'adin, quelqu'un qui boit un verre de vin seulement, et au lieu de faire à la geffen, c'est la bracha qu'il va réciter, il va se tromper, ou il va... Par erreur, il a l'intention de faire bracha chrona sur le vin, mais il fait la michia. Par erreur. Est-ce qu'il doit refaire la bracha ou pas? A priori, on aurait dit à la michia, c'est à la michia, sur les gâteaux. C'est, là, il doit faire à la geffen. Imaginons quelqu'un, on va reprendre l'exemple de la grenade. Il a pris manger une grenade et il fait à la michia. Il est yotzei de chova. Pourquoi? Quel rapport à la michia, c'est pas sur la grenade? Donc a priori sur le vin on aurait pu dire la même chose. Mais c'est marqué dans le Shulchan Aruch Siman Reshchet Sif Yud Zayin. Quelqu'un qui fait Birkat Amazon sur le vin. Yain Birkat Shalosh Potarto. Shim Birkat Ala Yain Birkat Amazon Birkom Ala Geffen Yatsa. Chidush Atzum. Dit le Shulchan Aruch. On parle du vin d'aujourd'hui ou même du comme le vin de l'époque ou vraisemblablement. Les vins, il n'y a pas de différence. C'est plus la même force, vous avez raison. Mais aussi, on n'a plus la même force. Il dit le Shulchan Aruch, un chidouche. Le vin, il nourrit. La date, elle nourrit. La grenade, nourrit pas. C'est bon? Ça nourrit pas. Il dit donc, si tu fais Birkat Amazon sur le vin ou sur la date, Yetzei de Chova. Chidush Atzou. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Azan et Aolam Kulo. Azan? Azan, c'est Mezin. Il faut quelque chose qui nourrisse. Le vin nourrit. Donc quelqu'un qui fait sur le vin Birkat Amazon, Yetzei de Chova. Chidush Atzou. La date nourrit plus que le grenade. Ouais, je ne sais pas. C'est comme ça Chazal, ils ont été Kovim. Chazal, c'était des grands diététiciens aussi. Vous savez que la date, elle avait des fibres alimentaires qui allaient alimenter donc la personne. Et là, je comprends votre étonnement. La grenade, elle est pleine de saveurs, elle est pleine de vitamines, mais elle n'a pas autant de... Je pense aussi, par expérience personnelle, si vous prenez un matin des dates, une fois ils amènent dans les yurtzeit des dates, prends 2-3 dates, jusqu'à 11 heures, ça va. On peut étudier tranquillement. Si vous prenez la grenade, je n'ai pas trop l'impression. Donc, Chazal le Tekovim, que la date, elle est nourrissante. Top. Il dit le Shulchan Aruch, quelqu'un qui fait Birkat Amazon sur la date ou sur le vin, il y a Tzai de Chova. C'est un chidouche gadol. Alors, de la même manière, il dit le Mahamar Mordechai, le Rav de Carpentras, qu'à partir du moment de Provence, donc région. Qu'affectionne M. Cohen, il dit le Mahamar Mordechai,
que exactement de la même façon que quelqu'un qui dit Birkat Amazon sur le vin ou sur les dates, Yatsei Dechova, quelqu'un qui dit à la Michia, à la Kalkala, aussi le Yatsei Dechova sur le vin. Alors que sur le vin, c'est à la Hetz, c'est à la Geffen. Ouais, sur la date, c'est à la Hetz. Donc le Chora, il a dit à la Michia, quel rapport ? On va le chamer. À partir du moment où on voit que Birkat Azan, parce que c'est Mezin, il est Tzei Bechova, la Michia, la Kalkala, c'est aussi équivalent de Birkat Azan. Et ce sur quoi je récite Birkat Amazon, je suis Yotze, je suis aussi Yotze quand je fais Me'en Shalosh. Comme ça, il dit le Ma'amar Mordechai. Donc, si je récapitule, les Khatrila, Badaï, que sur la date, il faut faire à la Hetz, sur le vin, il faut faire la Geffen, sur les gâteaux, il faut faire la Michia. Mais si je fais sur la date ou sur le vin à la michia, bidiavad yatsai dechova. Mais à four, le vin, j'ai fait à la geffen, j'ai pas fait la michia, je suis otsé ou pas? J'ai mangé le gâteau. Non. Hein. Alors, non. Là-dessus, non. C'est que dans un sens. Exactement. Hazaku baro. Parce que le vin, il est aussi bichlal à la michia, mais le gâteau n'est pas de bichlal à la geffen. Ça fait mal. Chav, donc on voit d'ici que quelqu'un qui dit à la michia sur du vin, il a essayé de chova. Alors, Shkhanaouk, il ne dit pas me forage ça, que quelqu'un qui dit à la Mirya. Shkhanaouk, il parle de Birkat Amazon. C'est pour ça que j'ai amené ça au nom du Mahamar Mordechai. Shkhanaouk, il parle de Birkat Amazon, il ne parle pas de la Mirya. Alors, dans le Mahamar Mordechai, il y a marqué que c'est auto-adin même dans la Mirya. Revenons à notre question de tout à l'heure. Nous avons soulevé quelqu'un, il a fait à la Mirya, alors qu'il a bu aussi du vin. Alors, Yeshmakom Gadoloma. Que le Bediavad, il est Chova. Alors, à la Michia, tu me dis que si que du vin, il est Yotze de Chova. Il a fait la Michia, il a mangé aussi des gâteaux. Mais la Michia, c'est peut-être aussi le vin. Donc peut-être que si Nachinamis avait mangé olives, au kidouche et gâteau, il a fait à la Michia, ça ne suffit pas, parce que les olives, c'est à la Hetz. Alors, comment tu vas faire à la Michia ? Ça ne suffit pas. Ça, c'est vrai s'il a mangé des olives. Ou il a dit à la Hetz. Alors, quelqu'un qui a fait. Et sur du vin, donc étant donné que Bedi Avad, le Alamichia est Moïl, peut-être que ça suffirait. Avad, il y a une différence. Maran Ben Ishra, il fait la différence. Dans Shoot Rav Peali, il dit non. Pourquoi ? Il y a une différence entre si je n'ai bu que du vin, ou même si j'ai fait autre chose, mais j'ai été mitkaven explicitement, à travers ma bracha de Alamichia, de remercier Hachem sur le vin. Là, ça marche. Mais si j'ai fait la Michia, parce que en tête, je faisais la Michia. Pourquoi ? Sinon, toi, tu as la Michia pour les gâteaux. Pas habitude pour les gâteaux. Parce que d'habitude, je mange des gâteaux, donc je mange pas. Ah mince, je dois faire aussi du vin. J'ai oublié, je devais faire aussi sur du vin. Ah, ça, c'est pas moi. Pourquoi ? Parce que toute bracha, que ce soit une bracha rishona ou bracha charona, même si Bedi Avad, si je la récite sur un aliment, je suis yotze. Mais c'est uniquement lorsqu'il y a un élément qui me cible et qui m'indique que la bracha qui est bédiavad, je la récite sur cet aliment. Parce que naturellement, cette bracha n'est pas rattachée à cet aliment. Donc il va falloir un chéar qui me dit, voilà, tu sais, cette bracha, je la récite pour ça, par exemple. Imaginons que quelqu'un fait, est marqué dans la Gemara de Brachot, même Aleph, quelqu'un qui fait Boré Priya Adama sur une olive. Pourquoi ? Parce que c'est aussi aussi là, c'est Adama, il dit Avad. Mais si il a des olives et des radis, nous dit Rashi, et il prend le radis, il fait pour prier Adama, il n'est pas Yotze sur l'olive. Ah, pourtant, si j'avais fait Adama sur l'olive, je suis Yotze Dechova. Alors maintenant, si j'ai fait sur le radis, c'est comme si. Non. Même j'avais devant lui. Non. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où une bracha, elle est dit Avad, il faut que quelque chose la rattache au Bediavad. Parce que comme naturellement, ce n'est pas la bracha qui correspond, il faut créer cette correspondance à travers une kavana. La même chose, donc, dans notre cas. Si j'ai bu un verre de vin, si on m'avait demandé, pourquoi tu fais la bracha Ben Shalom Shachat, sur le vin que je viens de boire, alors pourquoi tu fais la Mirya? Oui. Là-dessus, la Mirya, c'est ma team. Aval, si j'ai bu et du vin et des gâteaux, je vais penser et le gars, le gars, il pense qu'il fait la Mirya sur les deux. Bon. Dans ces cas-là, ok. Mais quelqu'un qui a l'habitude, comme dans notre cas, il fait à la Michia, que sur les gâteaux. Tu lui dis, mais t'as bu aussi du vin. Ah mince,
comme ça il aurait réagi. Donc je dois faire la Geffen. Donc ça veut dire que sa kavana dans la Michia n'est pas sur le Geffen, n'est pas sur le vin. Comme sa kavana naturellement n'est pas sur le vin, Azmeimeila, le din est qu'il doit refaire Al HaGeffen. Et s'il a oublié, il a oublié le premier et le deuxième Al HaGeffen, il se rappelle à la fin du troisième. Magnifique. Alors ça, c'est un sujet qu'il faut bien développer. À partir du moment où j'évoque l'un des aliments au début ou à la fin, ça suffit. Même s'il a été potéar avec Al HaGeffen, excellent, et qu'il a terminé seulement sur la Michia, comme dans sa bracha, il a fait HaGeffen et Michia, et il a été mazkir l'un des deux, ça suffira. Aval. S'il a que été mazkir à la Michia au début et à la fin, s'il avait bu que du vin, ça aurait été Moïse. Mais une fois qu'il a fait à la Michia pour autre chose, il avait autre chose, là-dessus, donc il devra refaire la Birkat Men Shalosh à la Geffen. Chazak, bravo.